sur les activités, entraînement, compétition. Merci beaucoup, n'hésitez pas à passer sous la tente, près du t-shirt. Vous allez retrouver la petite urne du Téléthon 2014. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer, on sera content de vous raconter ce que l'on fait à l'année et de participer à cette activité, cette animation qu'on met en place aujourd'hui. On est très content de vous retrouver aujourd'hui, merci à tout le monde. Ça avec une personne handicapée et aujourd'hui on va vous montrer comment ça peut se passer sur les chemins de randonnée. Donc effectivement il faut des porteurs costauds. On a réussi ici avec l'option montagne de l'université de Nice à rendre accessible la valette de Prades pour ceux qui connaissent, pour deux personnes handicapées, la maman et la fille, qui sont parties sur une journée entière à la rencontre de la faune et de la flore du Mercantour. Merci aux bénévoles qui sont toujours là pour pousser cette Joëlette. Imaginez lorsque l'on peut pratiquer cette activité en montagne avec plus de 1000 mètres de dénivelé. Imaginez un peu ce que ça peut faire. On remerciera jamais assez les bénévoles qui sont présents et qui poussent et qui tirent ce type d'appareil. Mathéo, tu es venu là, pourquoi? Pour quelle activité aujourd'hui? C'est quoi? On s'engage pour quel organisme aujourd'hui? Le Téléthon. De quoi? On devait le faire l'année passée justement pour le Téléthon. Les skis roulent devant. Léo, il est à fond. Léo, il monte à fond. Ou pas, parti sur le stand du Mountain Club des Unis qui s'engage sur le Téléthon aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus avec nous. Allez, action, on va vous montrer. Dis-le, on prend pas la bonne heure si t'es pas là.